Bienvenue à cette leçon. Aujourd'hui, tu vas apprendre à utiliser le dictionnaire. À la fin de cette leçon, tu devras être capable de chercher un mot dans le dictionnaire, vérifier les définitions du mot dans le dictionnaire, choisir la définition qui convient. Imagine la situation suivante. Une affiche à l'école retient ton attention. Une proposition super tentante. Tu aimerais participer? Oui? Et si tu gagnais? Mais voilà que tu butes sur le mot adhésion. Que veut dire adhésion? La signification est dans ce livre. C'est un dictionnaire. Tu me diras que ce n'est pas si facile de chercher le mot. Ce livre, ce dictionnaire, a beaucoup de pages. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais tu as de la chance. Cherchons ensemble le mot. Il te faut identifier la première lettre de ton mot, adhésion, car les mots qui sont présents dans le dictionnaire sont en ordre alphabétique. La lettre est écrite en haut de la page, comme tu peux le voir. Mais ils sont nombreux, les mots en A. Cherchons notre mot adhésion en commençant par A. Toujours pas suffisant. Utilisons la deuxième lettre qui est le D. Puis, la troisième lettre, le H. Tu n'y es toujours pas. Continuons avec ce qui suit. Ajoutons-y le S. Le I. Le O. Et enfin, le N. Nous y voilà, adhésion. Adhésion veut dire action de s'inscrire. Tu dois t'inscrire à un club littéraire pour participer à ce concours. Mais tu as bien vu tout ce que le dictionnaire propose pour expliquer ton mot. Il y a d'abord le sens 1 qui veut dire action de s'inscrire, de souscrire. Le dictionnaire permet d'élargir ton vocabulaire. Il te montre le synonyme du mot. Le synonyme d'un mot, c'est un autre mot qui a la même signification que celui que tu cherches. Le sens 2, c'est une déclaration gouvernementale d'une convention internationale. Le contexte te permet d'utiliser celui qui convient le mieux. Et c'est celui de faire l'action de s'inscrire. On trouve une abréviation, n.f. tout près du mot adhésion. C'est la classe grammaticale du mot adhésion. Il indique que c'est un nom féminin. Le genre féminin pour le mot adhésion. Retrouvons les autres abréviations générales du dictionnaire. Le nom, nom féminin, n.f. Nom masculin, n.m. Le verbe, transitif, v.t. Le verbe, intransitif, v.i. Pour l'adjectif, adj. Pour l'adverbe, ADV. Si le mot est un verbe conjugué, il te faut retrouver son infinitif. Par exemple, chante devient chanter avec ER. Couru devient courir
Ce sont les deux qu'on cherche. Chanter, ER, courir, IR. Faisons un petit retour en arrière pour voir ce qu'il faut retenir. Pour trouver la définition d'un mot, il te faut le dictionnaire, la première lettre du mot, continuer avec les autres lettres du mot, lire les définitions, comprendre les abréviations, retenir ce qui est en rapport avec la situation. Si c'est un verbe, le mettre à l'infinitif. Passons à un petit exercice. Question 1. Encercle la bonne réponse. Pour chercher un mot, je consulte. Option A, le dictionnaire. Option B, l'annuaire téléphonique. Option C, le journal. Exact, tu utilises un dictionnaire. La bonne réponse, c'est l'option A. Question 2. Pour trouver ton mot dans le dictionnaire, tu commences à chercher la première lettre de ton mot. Option B, feuilleter toutes les pages du dictionnaire. Option C, utiliser une des lettres de l'alphabet que tu préfères. Évidemment, c'est la réponse A. Passons à la question 3. Quelle indication te permet de reconnaître la classe grammaticale et le genre du mot? Option A, Z, O, O, L, point. Option B, crochet, P, crochet, point. Option C, N.F et N.M. Bravo, c'est évidemment le nom féminin et le nom masculin. Question suivante. Quand c'est le verbe conjugué, il faut. Option A. Chercher dans ton livre de conjugaison. Option B, remettre le verbe conjugué à l'infinitif. Option C, chercher dans un livre de recettes. Bien sûr que c'est l'option B, remettre le verbe conjugué à l'infinitif. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Désormais, tu sais comment chercher un mot dans le dictionnaire, connaître les définitions et choisir la définition qui convient. N'oublie surtout pas que le dictionnaire est un outil, mais surtout un ami. Au revoir et à bientôt.